Bien, salut à tous les amis, c'est Fluxman en tout aujourd'hui pour la présentation du jeu Asphalt 8 Airborne sur le Microsoft Store hein, de Windows 8.1 ou encore disponible sur le Windows Play, enfin le Play Store plutôt, voilà, du magasin téléphone des smartphones Android gratuitement. Alors, sur le Windows Store, il est pareillement gratuit. Alors aujourd'hui, je vais faire une brève présentation du jeu, étant donné que je n'ai pas fait de contenu Minecraft pour la semaine, donc j'ai décidé de faire une petite semaine gaming, hein, ça peut faire de mal. Bref, vous pouvez déjà voir que j'ai une voiture ici, donc tout ça c'est le menu, donc on peut jouer en multijoueur, on peut aller voir ses classements, on peut inviter un ami pour voir ses statistiques, tout ça. Alors, dans le jeu, il y a plusieurs saisons. Évidemment, saison 1, saison 2, saison 3. Plus haut va monter les saisons, plus dures vont être les saisons. Forcément. Regardez. Saison 4. Il faut payer. Ouais. Donc, Asphalt 8 Airborne est un jeu gratuit. Il a été passé à gratuit. Mais il y a beaucoup de contenu payant. Comme par exemple, regardez ici, ce sont des sous. Je vous montrerai dans les courses par la suite que on ne gagne pas beaucoup de sous quand on fait des attendez, j'ai ça, voilà. Qu'on ne gagne pas beaucoup de sous quand on gagne une course. Donc, il y a possibilité évidemment d'acheter des sous qui peut s'avérer vachement cher. 90 euros pour 750 000 crédits. Avec 750 000 crédits, on peut améliorer une vingtaine de voitures. Et encore, il faut les acheter. Donc voilà, c'est vraiment très très bas. Pour 90 euros, c'est la pure arnaque. Aussi, il y a des packs de voitures à acheter. Donc voilà, faut pas chercher à toutes les acheter avec du crédit. Mais bon, c'est jeté avec du vrai argent ou avec, étant donné que c'est Microsoft, et ben c'est relié à Xbox et donc on peut les acheter avec des Microsoft Points ou euros, c'est pareil. Oups, pardon, j'ai fait un petit retour, mais c'est vrai. Pack de crédit, ben ça c'est ce que je vous ai montré avant. Voilà, donc il y a 5 catégories de voitures en fonction de l'alphabet, sauf que la dernière c'est la S, ne me demandez pas pourquoi, je l'avis. Donc forcément, plus la classe va descendre en lettres, plus elle sera bonne, la voiture, plus rapide, plus performante, plus maniable, tout ça. La S, c'est la qualité, c'est les voitures suprêmes, donc je vais vous montrer au fur et à mesure. Donc ici, une bête Dodge, puis on a la Audi, la Tesla. Donc je vous laisse plus ou moins admirer les voitures, le temps que je finisse de les toutes les passer. Vous pouvez en même temps admirer, enfin admirer, pourquoi j'ai dit admirer, vous pouvez aussi regarder les prix, hein, les prix des voitures. Voilà, ici on est déjà dans la catégorie B, on voit quand même une nette augmentation. Voilà, déjà première Lamborghini, Maserati, Bentley, Aston Martin, on va bientôt passer au rang A. Ici on a Nissan GTR, Ferrari, Cadillac. Ici c'est le rang A, donc le rang avec les voitures de avec un score, enfin avec un rang de plus de 1200, généralement plus de 1200 secondes c'est de rang A. Après, avec, vous pouvez passer ce score là en améliorant vos voitures au fur et à mesure. Donc on était ici, Cadillac, Mercedes, donc vous pouvez voir qu'il y a sur les rangs A beaucoup de vinyle et beaucoup de customisation au niveau des spoilers, de la carrosserie, tout ça. Ça par contre, Marussia, je connais pas, je sais pas ce que c'est comme marque, je vois ça, je connais bien. McLaren, Pagani Zonda R, une très très bonne voiture. Ferrari, Lamborghini, regardez-moi ça. Et voilà, ici nous sommes au rang S et c'est les voitures les plus rapides du jeu, évidemment. Mais ce n'est pas fini, car on a encore une GTA Spano, je sais pas si c'est comme marque, encore une Porsche, si évidemment je pense, Ferrari, Bugatti, et celle-là elle est trop space. Sérieusement, regardez le design de cette voiture,
ça pourrait même pas être une voiture du futur. Enfin, si, c'est une voiture du futur. Car il n'y a même pas de pneus. Donc je pense que ça fonctionnerait en fonction de l'air qu'elle aspirerait par là. Enfin, bref, partout. Et que ça se repousserait dans les roues pour qu'elle roule. Bref, c'est n'importe quoi. Qui est la Koenigsegg. Voilà. Yeah. Et voilà, donc on est retourné à la première catégorie de voiture, donc ça c'est la mienne. Il faut changer les peintures. Voilà, nous on va le mettre en rouge, c'est la couleur de base pour cette voiture-ci. Donc voilà. On peut l'améliorer. Donc vous voyez que c'est particulièrement cher, c'est-à-dire que ici je suis au 4ème, je dois payer 6000, 3ème, 8000. Hein, vous voyez la grande différence, 3 à 3500, 2 à 3500. Donc toutes les améliorations coûteront cher. Je peux vous montrer sur une autre de mes voitures. Voilà, sur celle-là par exemple. 2000. Celle-là, je pourrais l'améliorer par exemple. Celle-là, non. Ça, oui. Ça, non. Donc, il faut vraiment bien faire ses courses. Et bien faire les objectifs secondaires aussi qui sont proposés. Parce que c'est très important. Donc, on va prendre celle-là. Parce que pour l'instant, c'est ma plus rapide. On dirait pas, mais c'est ma plus rapide. Donc, oui, il faut d'abord aller. Non, je vais vous montrer plus ou moins la première course qui nous est proposée. Donc, dans le menu de présentation de course, nous avons l'objectif classique, c'est-à-dire de finir en première position pour avoir 3 étoiles. Et en dessous ici, nous avons les 2 étoiles bonus, car le total des étoiles que nous pouvons avoir pour une course est 5. Et en fait, nous devons faire un certain nombre, enfin, une certaine sorte de figure ou d'enchaînement, ou par exemple ici éjection, mais c'est une burnout, hein, c'est un burnout, hein, si vous connaissez burnout, enfin la catégorie des jeux de voiture burnout, et un tonneau, ben, c'est tout simplement, je vais vous le montrer maintenant. Hop, on se course, ça va être particulièrement facile parce que c'est la première et j'ai la voiture, mais elle est déjà bien améliorée. Alors en course, on pourra parler de tout ce qui est l'effet de vitesse, l'immersion, les graphismes, la maniabilité et le contenu. Oui, ça c'est un point de voiture. C'est important, évidemment. Voilà, on est toutes quasi avec la même voiture. Évidemment, il y a des petits coups de lag parce que je filme. J'ai quand même des gros coups de lag. Petite chose à préciser directement, vous voyez, quand on active la nitro, bah, ça lag lourd, hein. Quand on active la nitro, nous percutons nos ennemis. En sachant qu'il y a 3 catégories de nitro. Il y a la première, donc ça. La deuxième, ça. En fait, quand je vais faire quelque chose dans ce jeu-là, ça ne va pas toujours fonctionner. Il y a la première. Donc, je vais appuyer 3 fois sur la barre d'espace. Donc déjà, ça se joue au clavier. Parlons déjà de la maniabilité. Maniabilité, ça se joue au clavier et tout le monde sait, tous les gamers PC savent qu'un jeu de voiture ne se joue pas au clavier. Sur les claviers et les souris, il devrait être marqué Sucks for Driving. En gros, juste pour conduire, car il est préférable de conduire avec une manette, sauf que pour la borne, il est totalement impossible de brancher une manette compatible avec ce jeu. Donc, c'est encore tout à fait maniable malgré le fait qu'il faut souvent switcher de touche. Bon, une touche, il n'y en a que 5, hein. C'est haut, bas, exemple de destruction, très bien fait. Haut, bas, droite et gauche, et espace pour activer la nitro. Ce que vous voyez là, c'est des gaz. Nitro. Les bleus donnent un quart de la nitro et les oranges donnent la moitié de la nitro. C'est-à-dire qu'il faudrait 4 bleus, je me souviens très bien, il faudrait 4 bleus pour remplir la barre de nitro et il en faudrait que 2 oranges pour la remplir totalement. Parce que ici, je vais quand même tout un petit peu parce que voilà, je suis passé deuxième, maintenant je vais commencer. Alors, par contre, il y a un petit raccourci que j'aime bien prendre de temps en temps ici. Voilà, c'est ici. De toute façon, on va pouvoir terminer. Bon, on va en faire plusieurs, ne vous inquiétez pas, pour vous voyez un peu toutes les catégories de courses. Hein, comme ça, si vous avez Windows 8.1 ou Windows 8 seulement,
vous pouvez le télécharger. Ah, par contre, je ne vous ai pas montré les catégories de figures, de vies, de tonneaux, tout ça. Bref, donc on a tableau de score. On va dire les commentaires suivants, parce que moi je peux gagner. Voilà, ça, les sous. J'ai gagné au total 323 dollars. On va dire, on va appeler ça des dollars. Vous vous souvenez le prix que j'avais payé pour une amélioration de ma boîte de mon moteur? C'est combien? 4500? C'est extrêmement cher. Par rapport à ce qu'on gagne, c'est rien du tout. C'est par rapport à ce qu'on gagne, c'est énorme. On ne devrait pas faire payer aussi cher pour à la fin faire dépenser beaucoup. Alors, on avait fait une course classique, hein, évidemment. Je vous montrerai plusieurs maps au fur et à mesure aussi. Maintenant, on va faire une élimination. Alors, l'élimination, c'est très très simple. Il faut rester. On peut être dans n'importe quelle position, sauf dernière. C'est-à-dire qu'on commence avec les pilotes. Si vous êtes 8ème, après 20 secondes, vous êtes éliminé. Donc, c'est-à-dire que toutes les 20 secondes, le dernier est éliminé. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la position dans laquelle on est. Mais généralement, je gère pas mal. Donc ici, on a la même map, je pense. C'est ça. Ouais, c'est la même. Il y a d'autres figures que je peux montrer aussi. Non, c'est pas la même. Donc ici, c'est la même. Ah, si, c'est la même. L'avion vient de passer. Pas grave, pardon. Il passe par là pour vous montrer la différence. Donc il y a plusieurs figures aussi. Et ça, c'est très facile parce qu'on peut anéantir aussi. Regardez, une vie. Ah non, ça, c'est un tonneau. Regardez. Voilà. Tonneau. C'est une fois qu'on prend une rampe de travers, qui est un peu de travail, ça nous fait effectuer un tonneau. Et par la suite, je vous montrerai ce que c'est une vrille. Si je vois Jump, vous voyez que là, je suis premier, donc je risque dans son caca, on va éliminer. Là, je suis deuxième. Huitième éliminé. Ici, je vais vous montrer une vrille, du moins si j'y arrive. C'est en effectuant un dérapage en même temps que de sauter. C'est pas simple, mais c'est faisable. Bon, je compte trop bien. On a parlé de la maniabilité, donc le simple truc c'est que ça se joue au clavier et que c'est chiant. Voilà. Au niveau de l'effet de vitesse, on peut en parler aussi. Il est présent que pour certaines voitures. C'est-à-dire que ici l'effet de vitesse n'est pas trop présent. On n'est pas trop présent parce que la voiture n'est pas encore assez puissante. Mais je vais vous montrer une voiture que j'ai achetée il y a pas longtemps. Qui est là, en haute. Il y a plein de routes. C'était une Audi RS3 Sportback, je pense. Je suis plus sûr. Mais avec ces voitures-là, l'effet de vitesse c'est bien là, car on voit vraiment la dénivellation tout autour de nous qui commence à se barrer dans tous les sens, tellement qu'on va vite. Donc on va vite. On va à 350 km/h maximum. C'est déjà bien. Bref. Donc l'effet de vitesse peut être là, mais que sur certaines voitures. Ou à moins que peut-être sur ce là. Alors. L'immersion. Alors tout ce qui est bruitage, tout ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ils auraient pu rajouter plus de son au niveau de l'environnement. C'est-à-dire que quand on entre dans une zone plus ou moins hostile, on change un peu les styles de musique, tout ça, mais l'immersion reste très très bien car les bruits des voitures sont. Oui, il a pris cher. Il a pris très très cher. Bravo. Donc l'immersion est vraiment pas mal faite. Non, pas sûr. Les graphismes, comme vous le voyez, j'ai pas un écran Full HD. Ça, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais voilà, non, vous savez, j'ai pas un écran Full HD, j'ai un écran avec une résolution de 1280 sur 1024, c'est du un peu plus HD. Et la qualité est déjà vraiment raisonnable, quoi. C'est la vraiment bonne qualité. De toute façon, je pense que la qualité est rehaussée et donc abaissée en fonction des matières que vous avez dans le PC. Et ici, j'ai gagné. Donc, je pense que les graphismes sont rehaussés ou abaissés au fur et à mesure, en fonction de vos
composant PC. Voilà, 412. C'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Alors, qu'est-ce qu'on préfère comme course maintenant? Une infection. Infection, c'est vraiment bien, vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est celle-là que je vous parlais. Donc la RS3 Sportback. Je m'en dis désolé, je suis un boss. Celle-là, vous allez voir que l'effet de vitesse est vraiment pas mal. Non, je n'ai pas rien amélioré. Et aussi, au fur et à mesure que vous allez augmenter de voiture, les prix des améliorations vont aussi augmenter. Ça, c'est un peu normal. Vous avez besoin d'un coup. Alors, infection, vous allez voir pourquoi c'est bien. En fait, le truc, c'est qu'il faut démarrer dernier pour ensuite tout défoncer. Vous allez voir. C'est sympa. Le concept est sympa. Iceland, c'est toujours rien. Ah non, Iceland, elle est particulièrement chiant. Parce qu'il y a un autre qui est c'est chiant. Donc ici, on va rester dernier. Ah non, je me suis pas ennuyé. Ah. Et boum, on est infecté. Et en mode infecté, on a le boost illimité qui est à n'importe quelle voiture effrayée. Et à chaque fois qu'on a un bonus de temps, ça va servir à quoi? Ça va nous servir à faire à terminer la course dans les temps. C'est-à-dire que si nous sommes derniers, ça va. Je me suis détruit tout seul, donc ça c'est pas grave. Nous restons infectés. Donc en fait le truc ça va être de terminer la course dans les temps et premier. Car on peut finir dans les temps et terminer dans les temps. On peut aussi ne pas avoir le temps et être éliminé. On peut devenir une personne normale, une voiture normale, et attendre d'être infecté à nouveau. Donc ici vous voyez que j'ai déjà au-dessus à droite avec tout près du compteur du tour, je suis détruit ça. Au-dessus du compteur du tour, parce que je suis dernier, avant j'avais 2 minutes 30 d'avance. C'est pas bien. 2 minutes 30, ça peut être limite le temps de finir la course. Avec les animations, on va en parler des animations. Les animations, ça c'est long. Donc, les animations, vous pouvez voir, elles sont vraiment pas mal. Quand on ramasse une nitro, il y en a une. Quand on pousse pour quelqu'un, il y en a une. Quand on passe dans l'eau, il y en a une. Quand on a la nitro, il y en a une. Bref, il y en a partout. Je dirais même qu'il y en a trop. Ça reste un jeu de voiture. Ok, arcade. Mais il faut quand même ce côté immersion, et je pense pas que quand vous exécutez l'ordre de temps que vous êtes, alors vous pouvez rester un poil plus immersif en désactivant quelques animations qui seraient bien. Je serais bien. Et ici. C'est pas grave si je termine dernier parce que de toute façon il y a la course, je suis déjà terminé premier, mais ici je vais vite la terminer. Voilà, je passe un peu plus ici. Je vais en plus que je vais bon, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, mais en fait, voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime bien prendre lui. Et si ça va être tout bénéfique pour moi, parce que j'ai plus de stabilité et que ici c'est tout droit. Ah, on est plus droit. Même souci du temps qui passe. En même temps, vous pouvez répondre à votre SMS si vous avez la sûre ou même voir un peu. C'est pareil pour vous, en plus je c'est 3. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des notes que j'avais prises. J'ai vite vous montré les courses de la catégorie de la saison 2. Je vais vous montrer un peu plus. Vous montrer un peu ce que c'est quand ça a corsé, car oui, j'ai galéré pour faire celle-là, elle était extrêmement dure, j'ai bien galéré. Mais d'ailleurs, je vais vous la montrer. Voilà, on va prendre celle-là. Ah, donc, le rang il est recommandé ici. Le rang qui est recommandé est de 667 et moi j'ai un rang de 570. Donc, vous imaginez la différence de rang qu'il y a entre les personnes contre qui je vais me battre.
Donc lui, il veut rouler, et là, et moi. Donc j'ai quand même réussi à gagner les 5 étoiles. Donc c'est pour dire que même avec un baron, on peut quand même avancer loin. Il faut pas tout de suite améliorer, on peut en même temps acheter une nouvelle voiture pour le tester, hein, pour le simple plaisir. D'ailleurs, je ne pense pas qu'on gagne assez souvent en jeu et acheter toutes les voitures et toutes les améliorer. Je ne pense pas. Ici, on va passer par la ronde. Parce que YOLO. Trop de strike. Voilà. Vous voyez le truc à droite qui vient d'apparaître, il est trop parfait. Regardez ma barre militro, il y a une barre rouge qui va apparaître. Barre rouge, une fois qu'elle est atteinte, on a fait une deuxième fois sur l'espace et c'est une métro parfaite. C'est-à-dire qu'on est au troisième rang de la métro, donc ça va être tout bas. 3 fois plus vite, généralement. Et même un petit peu plus vite que la normale, qu'au niveau 3 de la métro. Parce que c'est une nitro parfaite, donc c'est-à-dire qu'on a déclenché au bon moment. Je n'ai pas déclenché au bon moment, donc il n'y a pas eu l'animation. Je vais vous montrer l'animation au niveau. La possibilité de faire une nitro parfaite. Par contre, tu me prends tous les trucs, ça va pas le faire. Ok, c'est ça, prends-toi les murs, c'est bon. Tranquille, allez. Donc regardez ma barre. Maintenant j'appuie. Et vous voyez, j'en ai dépassé deux. Évidemment, il y a toujours la petite canaille qui me dépasse là. Là, c'était même dans le premier essai de la course que j'avais fait, me dépasser. Néanmoins, j'ai trouvé un moyen. J'avais économisé ma nitro durant toute la course. Ouais, putain, ici c'est particulièrement chaud aussi. Parce que je suis vite fait écraser par les voitures qui vont dessus. Les voitures qui vont dessus, on peut se faire même écraser par les voitures qui vont dessus. C'est pas. C'est vraiment réciproque, hein, les cascades qu'on peut faire. Ici, un pilote se prend. Enfin, ouais, une voiture en plein milieu, une voiture sur le capot ou sur le dessus, donc on peut nous aussi se faire exploser par ça. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a. Gardez toujours un peu de nitro. Donc, moi, si vous jouez, voilà, si vous voulez que ça fonctionne. Ou alors si vous-même vous voulez télécharger, c'est même pas bien comme sur moi j'ai pas. Ça c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Parce que j'ai atterri normalement, ma voiture a explosé. Bref, c'est pas grave. Au passage, merci à Kevin Mestre de m'avoir initié un peu sur tous les circuits. Parce qu'il faut savoir que moi à la base, je suis une grosse bite. Quand je dis une grosse bite, c'est vraiment une grosse bite. Sur les jeux de course. D'ailleurs, il y a même un petit frère de 6 ans, mais pas. Alors, voilà. Je sais pas si vous connaissez le jeu gratuit sur Android. C'est GTA Racing 2. Même petit frère m'a même arrêté là-dessus. Oui, c'est lui. C'est pas plutôt. Je sais pas, mais bientôt il va me battre à Call of. C'est lui. Il faut. Je peux pas jouer le début parce que j'en profite qu'un an. Mais... Bref, on va essayer de terminer cette course en premier en se confrontant. Je pense pas ça va attendre le premier. Vous voyez le premier où il est? Il est déjà hyper long. Alors s'il est pas très loin, il roule bien. C'est-à-dire qu'il a un meilleur fond que moi, donc forcément il a plus de mobilité, plus de nitro et plus de moteur. Enfin plus de performance et plus de moteur. Et voilà. De nouveau la coquine qui se balade depuis son dos. Je suis le petit avion, enfin la petite fusée qui atterrit en fin de mur, c'est normal. C'est vraiment totalement normal. Vous avez vu ici même avec ma micro x3, je galère à les rattraper. D'ailleurs je pense même pas les avoir rattrapés d'un bout de côté. Mais si j'ai terminé 3ème sûrement, c'est pas encore probable, j'ai déjà terminé le premier auparavant à la course. Mais c'est juste pour vous montrer la difficulté éternue des saisons prochaines. Drift aussi qui sont pas mal, mais ils sont, je sais pas où ils sont. Pas de galère. Mmh.
Bah, les amis, voilà, j'espère que cette petite vidéo sur Asphalt 8 Airborne est disponible gratuitement sur le Windows Store ou sur le Play Store d'Android Market. Le Play Store d'Android Market, c'est cool ça. Donc sur le Play Store des smartphones Android. Il est gratuit. Sauf que je vous ai dit qu'il y avait quelques produits payants. Alors, une note plus ou moins. 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Parce que justement, il y a du contenu payant. Et on ne fait pas payer un... Pour moi, on ne devrait pas faire payer un jeu. Malgré que... ça aide à développer les constructeurs. Mais quand je vois le nombre de téléchargements qu'ils ont déjà eu avec le précédent Asphalt, bon, moi je ne vais pas payer, donc c'est pour ça que je mets 8 sur 10. Mais au niveau des graphismes, c'est bien. La maniabilité, c'est pof. L'immersion, c'est bien. Mais il faudrait avoir mieux. Au niveau de l'effet de vitesse aussi, c'est pas mal. Et le contenu, c'est tout bien géré, tout bien nickel, donc c'est nickel pro. Bref, les amis, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires et vos likes si vous voulez que je repasse des vidéos de cette sorte sur des jeux Windows Store. Car moi, j'ai Windows 8, donc je vais pouvoir vous faire périodiquement ce genre de vidéos. Hein, c'est pas cool. Eh bien, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et donc, les amis, je vous dis à très bientôt. Bye bye!